Eh bien les amis, on se retrouve pour ce 9e putain d'épisode de Kingdom Hearts, le premier du nom sur PS2 en VF, tout va très bien. Je viens de voir qu'on avait compagnon, enfin je viens de voir oui et non. Donc en compagnon on n'a que Donald et Dingo, on n'a pas Tarzan, donc je sais pas si Tarzan en fait on peut l'avoir que dans le monde de Tarzan ou s'il sera débloquable plus tard, j'ai aucune fucking idée. Donc pour l'instant, voilà. Moi, je vous rappelle que la dernière fois on avait fini le petit, comment on appelle ça? Le petit monde, on va dire, de Tarzan. Et que là, on était censé retrouver Léon. Alors, Léon, je ne sais plus du tout où on l'avait trouvé. Ce que je vous propose, par contre, c'est d'aller quand même acheter un peu de stuff, parce que ça fait partie du jeu. Hein. On va donner la carte postale aussi. J'avais oublié, dans un épisode, j'avais une carte postale à donner. Bah tiens, bah, regardez, elle est là, elle. Elle, on va lui parler tout de suite. Alors, poster. J'ai gagné un pavillon. Un pavillon? What the fuck? Attends, je vais regarder ce que c'est qu'un pavillon, parce que ça me... Un pavillon. Restaure les HP et MP du groupe, utilisable uniquement à partir du menu. Restaure les HP et 3 MP. D'accord, ça donne vraiment tout. Ça, c'est full vie, full magie. Ok, très bien. On va pouvoir parler un petit peu à cette petite The Kyrie 78, enfin, en tout cas, de ressemblance, parce que ce n'est pas elle, hein, on l'a bien vu. Léon est sûrement dans la grotte souterraine. Il s'entraîne souvent là-bas. Tu sais le canal dans la ruelle, il est relié à une grotte, à la grotte, bref. Bon ok, je vois pas où c'est, donc c'est au troisième. Ça c'est quoi? Ça c'est le troisième, c'est le troisième quartier, je crois que c'est ça, je crois que c'est au troisième quartier qu'il y a la ruelle. Si je me trompe pas. Et du coup, voilà, j'espère en tout cas, je voulais racheter du stuff, j'ai complètement zappé. Allons racheter du stuff. Voilà, donc normalement, j'espère en tout cas que ces petits épisodes de Kingdom Hearts vous plaisent. Et il faut savoir aussi que là, le prochain épisode sera l'épisode numéro 10. Et cet épisode durera plus longtemps, parce que j'ai décidé que vu que Kingdom Hearts est un jeu assez long, comme il est assez conséquent, je ferai des épisodes des fois de 1h, voire 1h30, voire peut-être 2h, peut-être pas quand même, mais avec Kingdom Hearts, tu sais jamais. Donc peut-être 2h de diffusion, de je sais pas comment appeler ça, de 2 heures de vidéo, parce que pour que ça avance un peu plus. Alors lui au maximum, voilà, Dingo il reste de la place, normal, tu vois que j'ai 1400 mais j'ai pas envie d'acheter des trucs donc j'ai pas, par exemple les heures lui, par contre je vais en acheter un petit peu. J'en ai acheté genre... Je sais pas que j'achète par 1, j'en ai acheté genre 4, ça m'en fera 5, j'en aurai 5 dans la malle. Et genre des potions... Dans la malle j'en ai 0. Donc je vais en acheter genre 10, ça me ferait 250. 15, allez. Hop, bim. Je me suis ruiné pour ça. Mais en même temps, au moins je suis... bien pour un moment avec les potions. Là les potions j'en ai masse. J'ai masse potions. Des Aether. Enfin je dis Aether, tout le monde va crier dessus parce que je dis Aether, que tout le monde dit Aether. Mais... Voilà, je sais pas. Mais pour moi, après c'est vrai que c'est écrit en français, hein, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que c'est Aether. Enfin peut-être que c'est Aether, attendez, je vais regarder. Si c'est écrit en français, je dirais Aether maintenant. Non, c'est écrit... Quand je disais que c'est écrit en français, c'est genre, ça aurait eu un accent, par exemple, sur le E, tu vois, ça aurait fait vraiment E, donc Aether, mais là, ça fait vraiment pas E, ça ferait Aether, si on était en français, encore. Ah, là, on va se faire un peu de fight. En tout cas, ça fait bien plus mal, ça se voit, parce que eux, j'ai tué pas aussi vite. Bon, j'ai augmenté le niveau aussi, hein, ça, c'est joué. Mais franchement, ouais. Puis c'est stylé, quoi, je change de style. Et en plus, vous avez vu qu'apparemment... Apparemment de ça, je pourrais aussi, enfin, ils auront une utilité différente, c'est-à-dire que là, par exemple, elle ne favorise pas le coup de critique, par contre, elle a plus de portée. Mais, ça se trouve, il y en aura une qui favorisera le coup critique, une qui fera, genre, plus de magie, genre, voilà. Ou qui donnera plus de puissance à mes bouts de feu, je sais pas trop comment ça se passerait, mais... Attendez, on va essayer de... Voilà, j'ai touché, je crois. Attendez, je suis en train de tester des choses, là. Attends, il y a des nouveaux ennemis aussi. C'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai Dingo. Hein? Ah oh, putain, j'ai soin, merde. J'ai oublié. J'ai fait croix, j'ai sauté, j'ai fait hop, et j'ai voulu attaquer en sautant. Et en même temps, j'avais fait ça, donc c'est... Ok. Très bien.
Alors, est-ce que ce coin... Ah ouais, ça marche pour tout le monde, génial, énorme, je viens d'apprendre ça. Je viens d'apprendre ça, donc c'était pas au troisième quartier. So bad. C'était au deuxième. C'était au deuxième quartier. Mon mauvais, écoutez. Bon. Ah! Je suis tombé dans le vide. Ou alors, c'était dans cette ruelle du feu. On va aller dans la ruelle du feu. On va aller dans cette ruelle du feu. Ouais. Ouais, ouais. Énorme. Bon, les amis, en tout cas, j'espère que ces petites vidéos manoir aux bijoux. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et j'espère en tout cas que ces petites vidéos sur Kingdom Hearts vous plaisent. En tout cas, ça a l'esprit qui risque de durer très longtemps parce que je me dis que là, on est quasiment bientôt à 10 épisodes. Qu'on aura fait des épisodes des fois. Moi, j'ai vu que là, j'ai déjà vu qu'on a fait genre des épisodes de 50 minutes et tout. Et que même avec des épisodes de 50 minutes, on est très 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 loin d'avoir beaucoup avancé dans le jeu. On est quasiment clairement qu'au début du jeu. Donc autant dire que... Autant dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Attendez, lui donne masse. Lui donne masse. Attendez, lui donne masse. Je sais pas si elle touche la magie ici. Attendez, hop, 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 hop. Non. Mais ça, ça le touche pas derrière. Il reste un PV. C'est pas lui que je voulais te toucher. Pas grave. Voilà, on gagne masse d'argent. Là, il y a un truc. Éclat d'audace. Il faudra qu'on aille aussi à la boutique de Coupeau là. Qu'on avait vu dans les premiers épisodes là où il disait qu'en gros on pourrait gagner. Comment ils ont dit déjà Oh putain. On pourrait mélanger et faire des meilleures armes ou un truc comme ça. J'ai pas trop bien compris le truc. Mais voilà. En gros on pourrait faire des choses. On pourrait combiner, on pourrait faire du craft. Ouais, ouais. Ah dommage. Ah ouais. Oui c'est bon, quelqu'un l'a tué. Ah non. Oh putain, il y en a d'autres. Oula 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 oula. Oula. Hop hop. 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 Hop hop. Putain la vache. Voilà. Je ramasse de l'argent. Attendez, j'ai envie de savoir si... Ah, ça lui fait mal, ouais, ouais. Oh, ça lui fait mal. Oh, putain. Allez, faut aller derrière eux, là. Oui, oui. Voilà, lui, il est fini. Tac, tac, tac. Lui, on va essayer de le finir. Paf, 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 paf. Paf. Oh non, il me manquait. Oui, c'est bon. Merci Dingo qui l'a fini. Oula, oula, oula. Voilà, hop, ça c'est fait. Hop, 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 hop. Oula, oula. En tout cas, ils sont devenus beaucoup plus chauds, hein. C'est sûr. Ah, ouais. Ah, bah, il a visé. Il a utilisé un ETH, je crois. Ah, mais j'en ai plus déjà, putain. Ah, mais ça, c'est chiant. Ah, vite. Merci. Hop. Voilà. Comme ça on se fait un peu d'argent. Quand on est sorti de la boutique on était à 600. Bon on est à 950. On était à... Quoi? On est assez tranquille. What the fuck. Voilà. Donc là je crois que c'était la ruelle par là. Voilà. Très bien. Faut que je farme hors jeu aussi un petit peu d'argent. Et pour l'instant il n'a pas vraiment d'utilité. Alors il nous a dit qu'il y avait... Ça menait vers une... Ça venait vers une... comment on appelle ça? Une grotte. On va voir ça. Voilà, oh, par contre la caméra. Hein. Si... oula, oula. Si vous n'aimez pas trop les caméras, what the fuck, bah... changez de vidéo. Hein. Allez voir le let's play de MGS The Snake ou... Il sera fini à mon avis quand j'aurai sorti cette vidéo, mais... Vous pouvez toujours aller revoir. Hop, hop. Oh la vache. Voilà.
Éclat grondant. Ah, ça on l'avait pas avant. Voilà, bim. Dingo tornade. Ça faut que je lui apprenne. Faut que je vois ça, mais faut que je lui apprenne ça. Voilà, bim. Voilà, vite. Voilà. Attendez, Dingo a appris de nouvelles compétences. Peut-être moi aussi d'ailleurs, j'ai même pas fait ça. Concentration pour Donald. C'est quoi concentration? On augmente la vitesse de récupération des MP. Permet d'augmenter grandement l'attaque lorsqu'il ne reste plus beaucoup d'HP. Mais ça, on peut le retirer. Et mettre ça à la place. Parce que ça va être vachement mieux vu que c'est comment on appelle ça? Un magicien. Voilà. Donc, Dingo Tornade permet d'effectuer une puissante attaque tournoyante sur la cible. Augmente le nombre de munis. Mais ça, c'est bien aussi. J'aime l'argent. Bah, on va désactiver Dingo Charge et on va prendre Dingo Tornade. On va tester, on va voir si c'est bien. On va voir si c'est bien. Cushion. Mais ça mène vraiment sur une grotte, ça? Oh, j'avais pas vu le trio rouge. D'accord. Énorme. J'aime, j'approuve. J'approuve l'humour. Ah bah par contre, on est tous dans l'eau. C'est dégueulasse. Ok, Léon est là avec la princesse Zelda. Qui n'est pas de Zelda, je sais bien. C'est de Final Fantasy. Bah écoutez, on va leur parler. Mais attendez, ouh, il y a un coffre. Je veux le coffre avant. Je n'irai pas les voir avant d'avoir ouvert ce coffre. Oh putain, mais c'est pour des. C'est pour de la Masia, putain de merde. Putain, ça se trouve, je vais finir. What? Ça se trouve, je vais finir le truc de Damasien sans le vouloir, quoi. Hein? Comment ça on se retrouve là? Comment ça? Vous mentez, c'est pas vrai. Vous mentez, c'est pas vrai, je suis pas arrivé là. Putain mais sérieusement quoi mon gars? Attendez, il faut un trio là aussi. Est-ce qu'il faut un trio rouge? Non, il faut un trio jaune. Putain de merde, mais ils sont sérieux quoi? Ils me préviennent même pas. Genre ok. Très bien. Moi les gens, faut qu'on retourne jusqu'à la ruelle. Tout va bien. T'as le jeu te prévient même pas. Genre, oh ouais, tu vas sortir, tu vas aller dans ton camerlin qui a 30 piges ici, mais c'est pas grave. Bon, cette fois, on sait qu'on va pas dans cet ascenseur de la mort. Hein. L'ascenseur de la mort, on oublie. Pareil, il y a quoi? Il y a la lune. Très bien. Bon, bah écoutez, bah là on va leur parler, hein. Alors. Alors, tu as trouvé la serrure? Oui. La Keyblade l'a verrouillée automatiquement. Bien. Chaque monde possède une serrure. Et chaque serrure mène au cœur de ce monde. C'est cool, la mort. J'ai envie de me suicider. Il doit également y en avoir d'une dans cette ville. Comment ça? C'était dans le rapport d'Ansem. Les sans-cœurs entrent par la serrure et modifient le centre du monde. Qu'arrive-t-il au monde? Il finit par disparaître. Quoi? 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 Oh. C'est pour ça que ta clé est si importante. Tu dois verrouiller les serrures. Tu dois verrouiller les serrures. Putain, j'en perds. Tu es le seul à pouvoir le faire. Vraiment? Tu comprendrais mieux en explorant d'autres mondes. Piégé! On va trouver tes amis et le roi? Oh oh! Yohoho! Oui, tu as raison. D'accord. Oui, tu as raison. D'accord. Énorme! Tout ça pour ça! On va lui parler à elle. Je t'en prie, verrouille les serrures. Donc en gros, elle m'a dit d'aller voir Léon juste pour ça. Attendez, je sais qu'il y a un checkpoint. Donc ça se trouve, avec ce checkpoint, je vais pouvoir directement aller au vaisseau Gumi. Hop, voilà. Chambre du mage. Bon là c'est écrit, ok, j'avais pas vu. Écoutez, c'est pas ma faute, j'étais trop vite. Si je suis trop rapide pour le jeu, c'est pas ma faute. Attendez, il y avait un trio. Et ça se trouve tout le monde l'a vu et tout le monde a gueulé dessus. Un méga éther. Bon, ça va, c'était juste pour ça.
Moi, il y a un peu d'argent. Bon. Sauvegarde. Vaisseau. Oui, je veux aller dans le Sugubi. Bon, par contre. Mais là, je comprends plus. On a déjà été Loki, on a déjà été partout, je comprends pas. Moi, je comprends plus rien. On a déjà été partout. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas moi. Premier quartier, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai été voir Léon. Léon, il m'a dit que voilà. Je fais quoi à partir de là? Bon là, il y a un truc trio, on va le faire aussi. Bon là, on a gagné un peu d'argent. Genre vraiment beaucoup d'argent même d'ailleurs. 118. Bon bah moi je sais plus quoi faire à ce moment là. Hein. Ces bougies spéciales ont été conçues par les Mogs. Même si vous en soufflez une, elle se rallume en moins de deux. Il faudra de la magie pour toutes les éteindre. Mais arrête. Ouais, alors déjà, on va commencer par casser tout ça, parce que ça me saoule. Voilà. Ah, mais en fait... glacier. Yes, énorme. Ça avait du mal à viser, mais c'est pas grave. Bonus de défense. Bah, le bonus de défense, je vais le donner à moi-même. Hein. Vous verrez pas d'inconvénient. Bloc. Bonus de défense. Augmente un point de défense. Utilisé sur Sora. Voilà. Écoutez, je veux bien être gentil. Mais moi, voilà. J'ai besoin aussi de défense. Écoutez, faut que je l'améliore. Hein, voilà. Alors, parlons à elle. Léo est sûrement dans la grotte souterraine, il s'entraîne souvent là-bas. Tu sais le catalogue. Mais j'y étais déjà, j'ai été le voir, il m'a parlé. Il m'a déjà parlé, hein. Bon, on va re-y aller. D'abord, je vais aller voir en haut ce qu'il y a. Mais j'ai déjà été, hein, fermé. Donc voilà. Alors, j'ai déjà été dans cette grotte secrète, j'ai déjà parlé à Léon. Mais... on va y aller parce que on a été voir là, je sais plus comment ça s'appelle, et elle nous a dit ouais, ouais, allez voir Léon. Hé hey, Léon, ce bloc Gumi est différent des autres, sais-tu à quoi. Mais putain, comment je pouvais savoir qu'il fallait lui parler deux fois? Merde. Tâtonnement. Demande à Cid, il devrait savoir. Attends, Sora, prends ça avec toi. Orbe de la taille. Cette pierre renferme un pouvoir mystérieux. Je la garderai comme porte-bonheur, je te la donne. Comment s'en sert-on? Tâtonnement. Attends, je vais reparler au cas où qu'il me demande pas de lui reparler. D'accord, là il est dans les pensées. On va parler à elle cette fois. Je t'en prie, verrouille les serrures. Bon, est-ce que là c'est bon? Est-ce que là on peut dire enfin que je c'est bon là, c'est bon, non? Je suis pas fou. Par contre, j'ai pas trop compris à qui faut demander. Il faut demander à Cid, mais c'est qui Cid? Voilà, on va refaire ça, on va refaire vaisseau, machin chose pour aller directement pour mes quartiers. Mais, je comprends toujours pas ce qu'il faut faire. Cette fois, j'ai parlé à Léon deux fois. Il me dit d'aller parler à Cid, mais c'est qui Cid? Je connais pas de Cid, moi.
À part Cid, Prince des Flammes, Prince des Flammes, t'as que qui crame, c'est tout ce que je connais, moi. Roulade. Mais elle est... ça m'énerve. Bon, on va voir. Là, ça se trouve, c'est lui qui s'appelle Cid. Bonjour, t'appelles-tu Cid? C'est quoi ça? Fais voir ça! Fais voir! Tiens, mais c'est un bloc bubi! Ouais! À quoi sert-il? À quoi sert-il? Vous présentez ou quoi? Vous pilotez un vaisseau gubi, vous n'avez jamais vu un navire gubi! Bon, t'as conscient! Oui, c'est pas pour les amateurs! Il y a plein de choses qu'on ignore, et alors? On doit utiliser le vaisseau gubi pour rejoindre notre monde! On n'a pas le choix! Voilà! Du calme, jeune homme! Vous n'allez pas sans rancune, d'accord? Bon, je peux vous donner un coup de main. Merci. Point. En fait, grâce au navire gubi, on peut aller dans de nouveaux endroits. Vous en voulez un sur votre vaisseau? Hochement de tête. Où voulez-vous l'installer? Et ça fera $1 milliard. Mais je dois d'abord livrer quelque chose. Quoi donc? Un livre. Il est très ancien quand on me l'a porté, il est tombé presque en morceaux. Il est en trop mauvais état pour être parfaitement restauré, mais au final, j'ai fait du bon travail en le reliant. Enfin, ça vous dérange de le livrer pour moi? C'est pour le vieux manoir, pour le troisième quartier, où je cherche le symbole du feu. Putain, mais on y a direct, on en revient. C'était quoi ça? Tiens, la cloche de sonne. Allez voir ce qui se passe, mais apportez d'abord mon livre, hein. Et quand vous aurez fini, je suis à la maison du troisième quartier, serait. À la maison abandonnée, je m'en souviens. Bon, vous avez deviné quoi, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez absolument deviné ce qui va se passer, hein. Tout le monde avait prévu le coup, tout le monde sait ce qui va se passer. Tout le monde sait qu'on va aller là, on va aller chambre du mage, on va pas se faire chier à aller jusqu'au troisième quartier. Et on va aller là, chambre du mage, très bien, comme ça, on esquive tout. Ça se passe très bien. Voilà. Voilà. Mais c'est mon livre. Cid a demandé de me l'apporter. Merci. Vous voulez savoir quelle sorte de livre il s'agit? Même moi, je l'ignore. En fait, il n'est pas à moi. Un beau jour, je l'ai trouvé dans mon sac comme ça. C'est un livre très étrange, j'ai demandé à la Cid de le restaurer. Oh bien, je vais le placer ici pour le moment. Ce livre en fait un grand secret, les pages manquantes les dévoileront. Enfin, le dévoileront. Je laisserai le livre ici, consulte-le quand tu voudras. Oh non, j'ai entendu parler de ça. Oh non, mais dites pas ce que je pense. Mais remerciement à Cid pour l'avoir restauré. Oh, quant à Pierre, tu devrais te renseigner auprès de la bonne fée. D'accord, au revoir la bonne fée. Voilà. C'est où ce que c'est? Oh, le pauvre petit. Il a été transformé en orbe d'invocation. En orbe d'invocation? Cette petite créature vivait dans un monde qui a été détruit par les ténèbres. Tu sais, tous les êtres disparaissent avec leur monde. Mais celui-ci avait un cœur très puissant. Et au lieu de disparaître, il s'est transformé en orbe. Petit être sauvé? Oui, mais seulement son esprit. Maintenant, observe. Abracadabri, abracadabra. Oh, j'ai Simba. Chaque invocation ne peut être utilisée qu'une fois par combat. S'il y a des compagnons et KO, la commande d'invocation n'est plus disponible. Les personnages invoqués disparaissent lorsque leur jauge de MP tombe à zéro. Mais vous pouvez aussi le roi les royer grâce à la même commande du même nom. Pour plus d'informations, sautez sur les invocations, consultez le carnet de Timmy. Dès que tu l'invoqueras, il reviendra à ton aide. Si tu trouves d'autres orbes, rapporte-les-moi. Laissez sauver que les abeilles retrouveront leur corps, que leur monde en renaîtra. Aide-moi à les sauver, Sora. Promis, je les aiderai. Oh oui, on a gagné Simba, oui, Simba est de retour. Simba est là. Simba là. Simba est présent. Le retour de Simba. On a sauvé Simba. Cet épisode est bon. Putain de rocher ou de baleine ou je ne sais quoi là. Arrête de boucher mon chemin. Bon, allons voir cette église.
troisième quartier, donc nous sommes au troisième quartier. Nous allons voir cette putain d'église. Église. Bon, écoutez. Si c'est une cinématique, je me tais. Si c'est juste une cinématique où il n'y a pas de mots, enfin, où il n'y a pas de paroles, je me tais pas. Ah, te voilà. Où est-ce que tu étais ? Riku ! Hé, hé, ça suffit ! Cette fois, je ne rêve pas. Hein ? J'espère que non. J'ai mis un temps fou à te trouver. Riku ! Une seconde, où est Kairi ? Elle n'est pas avec toi ? Oh, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'elle a réussi à quitter l'île. Nous sommes enfin libres. Hé, hey, peut-être qu'elle nous cherche aussi. Nous serons bientôt tous réunis. Ne t'en fais pas. Tu n'as qu'à me laisser faire. Je vais là. Que je laisse faire qui ? Sora, qu'est-ce que tu... Je vous ai cherché partout, toi et Kairi. Et ils m'ont aidé. Qui sont-ils ? Je m'appelle... Nous avons traversé tellement de monde pour vous retrouver. C'est vrai ? Toi, un aventurier ? Je n'y crois pas. Oh, allez, devine un peu ! Sora est le maître de la Keyblade ! Qui aurait pu le croire ? Oui, et alors ? Donc, c'est ça une Keyblade ? Hein ? Hé ! Hey, rends-la-moi ! Attrape. Oh ! Bon alors, tu viens avec nous, d'accord ? Nous avons un vaisseau spatial génial ! Il faut que tu vois ça ! Non, elle ne peut pas venir ! Quoi ? Sago ! Oh, allez, c'est mon ami ! Chaba, fils ! Oh, il est parti ! Riku ? Bien joué. Bon, au moins il va bien. Et qui sait, on va peut-être bientôt tomber sur Kairi. Alors là, je suis surprise qu'il y a un problème. Soit il y a une incohérence dans le jeu, soit c'est fait exprès, je sais pas trop. Mais c'est moi où normalement Léon nous a montré que lorsque quelqu'un qui n'est pas le maître de la Keyblade, normalement elle disparaît pour revenir à son propriétaire. Parce que là clairement elle est pas revenue à son propriétaire hein. Là la Keyblade elle est restée à la main de Riku alors qu'elle aurait dû disparaître. Alors je sais pas si c'est une incohérence, c'est genre faire oh tu sais la Keyblade c'est joli ou si c'est genre vraiment Riku c'est un personnage spécial ou spécial, je sais pas. Ah bah bon voilà Léon avec son accordéon. Tu devrais parler à Sid. Je vous rappelle que Léon est un dépressif, hein. Léon ne peut pas être joyeux. Vous connaissez Maléfique ? Hochement de tête non. Il parlait calé en ville. Qui est-ce ? C'est une sorcière, bon sang de banlieue. Elle a conduit sans cœur à cette ville. Ne la sous-estime pas. Elle manipule les sans-cœurs depuis longtemps. À cause d'elle, on a perdu notre monde. Celui de Final Fantasy, et de la joie et de la bonne humeur en même temps. Un jour, une armée de sans-cœurs a envahi mon monde. C'était il y a 9 ans. Je m'en suis sorti, et je suis venu ici avec eux. Quel soir. Notre souverain était un sage nommé Ansem. Il avait consacré sa vie à étudier les sans-cœurs. Son rapport devrait vous dire comment les éliminer. Où est le rapport ? Où est ce rapport ? On l'ignore. Il a été éparpillé quand notre monde a été envahi. Je suis sûr que Magnifique a presque toutes les pages. Tu vois, c'est exactement ce que je t'avais dit. Pendant que tu peinais à trouver ton cher ami, il t'avait tout simplement remplacé par de nouveaux compagnons. Manifestement, il les estime bien plus que toi.
Tu es bien mieux sans ce misérable garçon. Allons, ne pense plus à lui et viens avec moi. Je t'aiderai à trouver ce que tu recherches. Oh putain, Maléfique qui a maintenant Riku entre ses mains. Riku qui va nous abandonner, qui va devenir notre pire ennemi, ça va être ça. Ça va être Dante versus Virgile, Sora versus Riku. Alors, tu as remis le livre. Le Navigumi est installé et prêt à démarrer. Tiens, tu en trouves un autre, apporte-le-moi. J'ai ajouté un bloc de téléportation aussi. Un bloc de téléportation, what the fuck, c'est quoi ça? Maintenant, vous pouvez facilement retourner dans les mondes déjà visités. Oui, enfin, pas de retour avec Navigumi. Oh putain, les épisodes seront tellement mieux. Je vais me remettre au travail. À mon vrai travail, hein. J'ai rajouté une phrase, ok. C'est quoi mon vrai travail? Tu verras bien. Retourne-moi dans le premier quartier. J'ai pensé à cette cloche dans le deuxième quartier. Celle qui a sonné il y a un moment? Oui, elle est juste au-dessus de la salle de machine. J'ai entendu une légende à son sujet. Mais le passage est condamné, personne ne peut y accéder. Allez vérifier! Faites-la sonner trois fois et voyez si quelque chose se produit. Pendant mon lieu. Non mais là franchement, à l'heure où je tourne, je crois que aucun épisode n'est sorti. Parce que vu que j'ai planifié en avance, rien n'est sorti. Mais si Snake ou Moustique regardent les épisodes, ils vont se dire, mais putain, c'est quoi cette voix de bûcheron slash Gimli le nain pour ce putain de marchand de... marchand, quoi. Ouh, je viens de voir la dingo tornade, mon gars. Et elle a tellement fait mal, je crois que celle-là, il va la garder toute sa vie. Bon. On a vu que Maléfique avait Riku entre ses mains maintenant et que Riku allait venir notre Nemesis. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Meurs. Voilà. Voilà. Mais non, j'ai pas fait soin, j'ai fait carré. Bon, écoute. Meurs! Mais meurs le singe. Même si c'est pas un singe. Bon. Bon. En tout cas, voilà, on aura vu pas mal de trucs dans cet épisode. Cet épisode aura été fructueux en histoire. Et... putain de merde, mais. Mais en fait, on le touche, hein. Attendez, j'ai envie de tester. Non, on le touche pas comme ça. Ok, on est d'accord. Meurs dans notre souffrance. Vas-y, tue-le, Donald, par derrière. Voilà. Comme ça, j'ai fait. T'as, par contre, ce dingo qui ramasse les. L'argent, c'est tellement c'est tellement le bonheur et tout ça, franchement. C'est tellement beau. Mais par contre, ça fait chier, hein. Moi, je vous laisse avec ça. Moi, j'ai autre chose à faire, hein. S'il faut que je commence à me battre contre tous les mobs du jeu, là, j'ai pas terminé. Bon, on va faire cela quand même. Pour le fun. Voilà. Bon, il est descendu. Avec la grondant. Ah bah. Voilà, bien joué Donald. Donald Trump, c'était bien joué ça. Bon. Comment est-ce censé la faire sonner? Hop. Ah mais... voilà. Ouais, voilà. Moi je sens un peu de vie, vous inquiétez pas. Tout est normal. Tout va bien. Il est où? Oula. Mais il est trop. Bon écoutez, occupez-vous de lui. Moi je me casse. Moi je me casse. Alors,
Mais what? Y'a plus d'échelle. Ah si, l'échelle est terminée là. D'accord, y'a une nouvelle échelle. Oh putain. Non, faut pas tomber, hein. J'ai pas envie de me retaper tout. Là, il y a un trio à faire aussi. Voilà. Hop, hop. Vas-y, allez, hop. Voilà, comme ça. On saute. Ouais, mais putain, sous un go, quoi. Sous un go de la moitié. Bon, Moustique, il est temps de faire quelque chose, quand même. Ce steak 530 qui est trop bon. Ah, là. Bon, on va être un peu tranquille, quand même, là. Hop, hop, hop. Voilà. Il est où? J'ai l'air que je le vise, mais la caméra est pas dessus quand même, tu vois. Bon, on peut aller par là, mais on va utiliser d'abord le truc de trio. Pouvoir de l'amitié! Et aussi un peu du mindfuck, hein. Mais non, mais ça, c'est la suite, c'est sûr. Sinon, ils auraient pas appris le truc du rouge, du trio rouge. Je veux aller par là. Attendez, d'ici, on peut peut-être prendre le coffre. Il est où le coffre? Et là-bas. Oh ouais, on peut. Faut juste sauter là. Mais du coup, ça sert à quoi d'être ici? Aucune idée. Ouh, la caméra qui change de plan comme ça, c'est pas bon ça. Hein. Ouh là, vous me faites peur. Bah quoi? Ah, cette corde là? Faut prendre la corde? Tirer. Ah oui. Une, deux. Bon, après avoir les 3. Ah, mais ça change le truc. Attendez, je suis curieux. Oui. Non. Putain de air control de merde. Voilà. Mais putain, mais c'est pas lui que je voulais viser. Bon, pardon. Voilà. Oh putain, mais c'est la merde. Oui, ouais, 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 non, ouais, ouais, c'est ça. On a combien d'argent? Je sais pas, j'ai pas le droit. Attends, j'ai appris de vos trucs. Dingo, est-ce que t'as gagné? Oh non, il a rien gagné. Donald. Donald, il a gagné un petit peu. Tiens, tu vas pouvoir avoir la furie aussi. Voilà. Et moi, j'ai gagné le coup de grâce. Le coup de grâce permet d'effectuer un coup de grâce très puissant à la fin d'un enchaînement. Et bah écoute, ça c'est très bien, ça augmente mon attaque. Bon, par contre, dingue, il faudrait vraiment des trucs. Hein. Bon, en termes d'objets, ouais. Ah, j'ai gagné un emplacement pour les. Oh putain, mais c'est génial ça. Bon, je vais prendre un éther quand même pour moi. Un éther, je sais pas comment il s'appelle. C'est Donald, on va mettre quelques potions manades. C'est pas comme on a acheté 15. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai regagné de l'argent entre deux temps. Là, j'ai 1658, là, je suis masse thune. Du coup, je peux te dire que là, c'est pas grave, hein, je peux en racheter deux fois plus. Ça représente la cloche de l'église. C'est vraiment la cloche de l'église qui est à l'autre côté de la place. Non, ça fait juste tourner, c'est ça. Bon, on va refaire sonner la cloche trois fois quand même. Bon. En tout cas, c'est génial, on apprend des choses dans cet épisode. Alors. Non, je sais pas. Attaque pas! Tirez. Ça s'allume. On va retirer sur la corde pour voir encore. Non, tu vois, je suis pas sûr que ce soit le bon, hein. Je vais me faire encore baiser. À chaque fois, je me fais baiser. Tout à l'heure, j'ai été. Est-ce que aussi j'ai vu que ça s'allumait? Ah, bah voilà! Les magnifiques papillons. Je suis un magnifique papillon. Oh, la serrure! J'ai trouvé la serrure. J'ai trouvé la serrure, c'est bon. Bon, attends, on va essayer de récupérer ce putain de coffre.
Ouh, c'était chaud. Une méga potion, ouais, bon, c'est pas mal, mais bon. Écoutez, je suis sûr qu'après on pourra en acheter plein, donc c'est pas non plus dingo, hein. C'est rigolo parce que McDonald's est dingo. Lol. Ah, merde, je pensais que c'était une cinématique, j'ai commencé à couper ma voix, mais non, c'est pas une cinématique, c'est re ce putain de truc d'enfer. En plus, j'ai plus de... Comment on appelle ça J'ai plus de magie, j'ai plus de trucs. Heureusement, j'aurais fait la plein de potions. Ouais, on va casser ce pied, quand même. Allez, hop, cassons, on voit rien, vous inquiétez pas, c'est normal. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y avait un coffre, je l'avais pas vu, là. Faut absolument que je le récupère. Oula, il a échangé ses mains et ses jambes. Oula, putain, il a barre de vie, quoi. Non, on a déjà affronté un boss dans l'épisode présent, hein, tu sais. En plus, ils nous ont même pas remis au full vie, tu vois, c'est genre, faut que tu te démerdes. Alors, je pense qu'il faut détruire tous les, toutes les parties. Je pense que c'est le moyen le plus rapide à faire. Allez, saute, voilà, voilà. Attendez, faut que je vise un truc. Voilà, je vais utiliser ça. Je veux utiliser le glacier. Oh putain, mais merci, quoi. Ce dingo de l'amour. Tiens. J'aurais dû utiliser la potion, en fait. J'étais pas très bien. Hein. Ouais, hop, hop, bim, bim. On attaque son bras, allez. Ou sa main, ou son pied, je sais plus c'est lequel, à force. Ouais, ouais. Attendez. Allez, bientôt défoncé. Voilà, ça. Oui, en plus, ça redonne des PV. Hop, hop, on prend les PV quand même là. Ça, c'est bientôt fini aussi. Oh putain. Allez. Allez. Ouais, ouais, ouais. Ouais, attendez. Là, il faut le toucher, par contre, c'est chiant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Attendez, allez où? Je vois rien. Ouais, c'est ça? Ouais, ouais. Voilà. Énorme, on reprend de la vie, on reprend de la vie. Voilà, voilà. C'était pas prévu hein, qu'il y ait un boss. Voilà, énorme. En plus, le deuxième, on le casse assez vite aussi. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Allez hop. Ouais. Oui. C'est beau putain. J'avais pas le temps de voir ce qu'on a gagné. J'ai gagné un niveau mais j'ai pas vu ce que j'ai gagné. Si j'ai gagné des PV et tout ça. Oh putain c'était beau. T'as le beau jeu quand même. T'as le beau jeu hein. Gagner sans du vent. Après rafale. Mais putain. J'apprends trop de sorts. Bon, je pense que c'est une cinématique un peu OZEF. Donc, je peux parler. Y a pas de révélation dans l'histoire, je pense. Par le pouvoir de la sainte clé des étoiles de Mario. Ah, j'ai entendu le petit bruit de verrou de ma porte là. C'était sympa. T'as, par contre, si le vaisseau Gumi maintenant peut se téléporter là où on a déjà été, ça c'est génial quoi. Parce que dans les épisodes, j'avoue, j'étais obligé de vous faire une putain de coupure pour dire bon, alors là on retourne là-bas, donc je vais faire une putain de coupure pour vous dire qu'on va y arriver. Mais là au moins on pourrait y aller directement quoi. C'est beaucoup mieux. Alors, on va regarder si on a gagné des compétences. Alors moi non. Non. Peut-être qu'il a gagné. Non, il n'a pas gagné de. Là, ils ont gagné juste un petit peu en santé, tout ça, tout ça. Par contre. Oui, Sora, oui, c'est très bien. Comment on fait tactique, Sora. Brasier, je dis jamais. Rafale, crée un écran protecteur qui réduit les dégâts reçus.
Bon, on va mettre un coup de rafale. On va prendre un peu de rafale. Alors, rafale, c'est quoi? Magie. Putain, c'est tellement chiant. Ah, en fait, on peut voir toute la magie comme ça. Mais sauf que si je fais ça, c'est un raccourci. Ah, bah, c'est ce que Tarzan nous faisait, en fait. Tarzan, il nous a mis du rafale, en fait, c'est ça. Bon. Ça, on aura réussi. Attendez, est-ce que là, j'ai vu, il y avait un coffre, là-bas. Alors, comment on l'a, ce coffre? Est-ce qu'il y a moyen de s'accrocher quelque part? Ou alors, attends, il faut monter là-dessus, là. Ah, putain, mais... J'ai eu de l'espoir. Et puis, l'espoir, l'espoir. Oui! Oh oui, encore un coffre! Puis, il y a pas une carte postale. On a gagné une putain de carte postale. Une carte postale, oui, oui, oui. Une carte postale. Oui. Bon. Premier quartier. Bon, ouais, écoutez, là, l'épisode aurait été vraiment. Je sais pas si c'était très long. Je pense qu'il est dans une bonne moyenne. Ah bah, le voilà, Cid. Prince des Flammes. Avec sa voix de beau bûcheron Kiblina de la Muerte. Oui, vous avez fait vite. J'ai tout compris. Je suis dans le commerce de blocs gummy. Moi, je voulais votre leçon qui m'a bien amusé. Heureux, je vais vous faire mon prix. Blablabla, c'est rigolo. Vas-y, prends-le, c'est une promo spéciale. Alors, tu vends des trucs gummy aussi, c'est ça? Hé, hey, tu as un autre navire gummy? Je sais pas que tu veux l'utiliser. Exactement. On dirait que c'est un de ces blocs qui forment un ensemble. Tu dois trouver le bloc qui va. Mais je l'ai, j'ai deux demi-nikumi. Hein? Alors ça c'est des blocs, ok, énorme. Ok, très bien. Spray. Tu peux changer la couleur des blocs, d'accord, très bien. Ordine niveau 2. Ok, écoute, moi je ok. Le Navigumi, je l'utilise pas, hein, pour ceux qui voient ça. Attendez, je veux juste parler. Ah, ça va me mettre dans le menu. Bon, bon, pour ceux qui auraient voulu voir, voilà à quoi ressemble le menu du Gumi. C'est très, 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 très chaud de faire ça, de faire les Navigumi. Ça utilise la 3D et tout ça, et c'est hyper compliqué, c'est chiant. Donc, je m'intéresse pas plus que ça. Pourtant, j'aime créer, hein, mais alors là, franchement, c'est, je trouve pas fun. Discutons. Reviens quand tu auras deux Navigumi. Là, on peut y aller, fermé. Très bien. Voilà. Bon, on va aller voir la joaillerie. Bah, il n'y est plus. Hop. On va pas sauvegarder tout de suite. J'aimerais voir s'ils ont pas des nouvelles armes. Je veux savoir si maintenant il y a eu genre un reboot du niveau et c'est bon là. On a gagné une nouvelle arme pour Dingo et Max. Bienvenue. Voilà. Donc je vais acheter. Non, pas de nouveau truc. On va acheter juste un petit peu ça. Oh, puis, on va. Oh, là je vais en racheter jusqu'à deux prochains mondes et après j'achèterai des potions plus je pense parce que voilà. Je vais en racheter genre 10. Non, un mal. Par contre, des éthers, j'en ai pas trop. J'en ai acheté 7, 11. Je sais pas si j'ai assez pour 9. Si. Ouais, j'ai racheté pas mal de éthers parce que je sais que Donald en a besoin. Et Dingo aussi, mais Dingo un peu moins. Vu que lui, il a match HP et qu'il a vachement de défense, lui, il a pas tellement besoin d'éthers. Ou des œufs. Il m'en fout, je vais dire Aether. C'est décidé, je dis Aether. Un bout de maîtrise. Bon, on aura fait le tour. Je pense que là, les amis, on va pouvoir se quitter là. On va juste regarder vite fait ensemble pour la prochaine vidéo, qui serait une vidéo plutôt longue, comme je vous l'ai dit, puisque ce serait la 10e vidéo, je crois. Sauvegarde. Déjà, on va sauvegarder. On va regarder. On va revenir là. Je sais pas tant combien on va...
temps aura duré la vidéo, mais elle aura duré pas mal de temps, je pense. Voilà. Et on va aller voir vite fait dans le vaisseau Gumi. Où est-ce que on ira? Hein? Ah d'accord, on peut y aller en hyperspace et tout ça, ok. Hein? On peut aller dans le trou cosmique. Et dans un trou, dans autre trou cosmique, mais que je sais pas pourquoi on peut pas y aller. Parce qu'il faut être dans orange, donc orange ça voudrait dire genre là. Bon écoutez, dans le prochain épisode les amis, on ira voir dans lequel trou. C'est très bizarre dit comme ça. Dans quel trou nous irons. Sur ce les amis, au prochain numéro.